Balobi plus précisément dans la Washington. Balobi maman mardi né. Maman mardi né. Balobi shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko ya 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 Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas six mois si non vous voyez pas y'a sinon vous voyez rien mais quand on a dans le cas alors t'es capable de y'a boka y'a fraise y'a bio bio na bio bio na bio si on a même pas le coup là mon canja isali parobi nous on voit y'a rien et Cuba paniwa parobi entente isali ça comme ça ça y'a que un photo y'a mis ça parobi n'y a pas y'a besoin y'a beaucoup besoin ça gagne ça gagne quand on est dans la ligne à base. Je voudrais face à face aujourd'hui, on n'est plus que sujet. La question de minorité, comme la question de minorité n'est pas seulement problématique, mais une piste de peut-être au-delà des accusations, au-delà de plaintes, proposer une solution comme cette situation. Parce que finalement, nous continuons à parler autour de cette question. Quand on parle aussi de la vie, c'est ça qui est la capitale. Est-ce qu'elle porte bien. Est-ce qu'elle entre nos espoirs avec les élus, les institutions sociales, pouvons penser à un avenir pour cette ville Kinshasa. On va en parler, mais la Mouka aussi. Lui, M. Fayoulou, président, si vous voulez, fondateur de la Mouka, mais pour 6 mois au lieu de 3. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler. Question, si ce n'est pas l'honorable Mike Moukebaye qui est avec moi, Moukebaye, comment t'as-tu? Ville de Kinshasa, c'est votre ville. Et vous êtes élu de Lingua, de Lingua dans Lukunga, et vous voyez tout Kinshasa dans le corps. C'est, vous êtes transféré à Mouka, vous avez cette toute fort que vous ayez une invitation pour participer au pouvoir. Ah, je suis bien. D'accord. Je suis que j'aurais décliné. On en parlera dans la et parlons maintenant de Minembo. Qu'est-ce qui se passe dans les esprits? Finalement, c'est fâché. Ça énerve. Dans son la vérité. Le deuxième nom, le deuxième nom, Kabila, le gouverneur général. De vue. J'ai second traite. Second traite parce que ça, un homme politique. Mm. Un homme politique s'assume. Il regarde ce que vit son peuple. Il réfléchit par rapport aux éléments en sa possession et il trace une voie et il la montre et il l'assume. Peut-être qu'aujourd'hui, je serai diabolisé, mais un jour, seule l'histoire sait. La question Minembwe. La première chose que nous devons faire, c'est de la détabouiser. En démocratie, il n'y a pas de question tabou. Laissez les gens présenter des propositions. Venez avec des contre-propositions. J'ai l'impression que les gens sont en train de s'installer dans une pensée unique, avec une stratégie. Tous ceux qui élèvent des voix discordantes sur la question Minembwe sont tout de suite attaqués. Il faut leur faire peur. Des traîtres, c'est des collabos, il y a d'autres choses. La question Minembwe. Il faut d'abord comprendre la sensibilité de la question. La question des minorités porte une sensibilité particulière dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? En 1945, il y a eu une guerre, la guerre mondiale. Une grave guerre. Et dans cette guerre, il y a eu un génocide des Juifs, appelé la Shoah. Des millions de Juifs ont été tués, massacrés, acheminés dans des chambres à gaz. Quand le monde découvre cette horreur, le monde dit « never again ». Ça ne se fera plus jamais. Le monde se promet. Ce qu'il y a, c'est que nous ne comprenons pas le monde. Nous, on se contente de manger notre foufou.
de vivre jour le jour, pendant que les Américains pensent au monde, ils pensent qu'ils ont la responsabilité de protéger l'humanité, même si par ailleurs ils sont traités d'impérialistes et que c'est leurs intérêts qui passent avant. Le monde s'est promis ça, que ça ne se fera plus jamais. Le monde est surpris en 1994, nouveau génocide. Où c'est? Au Rwanda. Cette fois-là, sans aucune guerre internationale. Non, non. Le monde est surpris. Le monde s'est dit qu'il a été irresponsable, qu'il a laissé faire. Parce qu'il y avait une mission des Nations Unies sur place. Il y avait un corps expéditionnaire belge sur place qui a levé les pieds et après il y a eu génocide. Le monde s'en veut. Le monde dit ça ne se fera plus. Le monde est là à protéger les minorités. Pire encore, quand on parle de minorités menacées. Il n'y a pas que le Congo qui est concerné dans cette affaire. Il y a la minorité Rohingya en Birmanie qui a été pourchassée, massacrée. Et je crois que vous l'avez vu, et il y a eu Aung San Suu Kyi, j'ai du mal toujours à prononcer son nom, qui a été interpellé, qui a comparu devant la justice internationale à, la, à l'initiative d'un pays africain. C'est la Gambie qui a porté plainte contre la Birmanie pour dénoncer cette affaire. Il y a chez nous une minorité. La minorité, Banyamulenge. Elle est là, chez nous. Mais c'est ça qui dérange. J'avance. Vous dites que c'est une minorité, alors que nous, au Congo, on n'a pas de minorité. J'avance, mais c'est ça le problème. Oui. C'est que si vous refusez d'avoir le même entendement que le monde, et c'est là que vous ne sortirez pas de cette situation. Quand je parle de cette minorité, c'est que cette question ne date pas d'hier. Elle n'est pas liée à Félix, ni à Moukébaï, ni moi encore à Robert. J'ai dit... Pour Robert Roy, moi je suis ferme. Vous disculpez, mais Robert Roy? Non, 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 je suis ferme. Non, 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 Robert Roy doit être mis à l'écart. Il est jugé parti. Ministre de la décentralisation, pour lui, la décentralisation, c'est de défendre Minembwe. Il faut le mettre de côté. Mais j'ai dit que cette question ne remonte pas à Félix, ni à moi, Moukébaï. C'est depuis 60. Plus loin encore. Mais je parle de 60, notre accession à la souveraineté internationale. Cette question est là. Les gens oublient que cette guerre que nous avons appelée la guerre de l'Afdel, qui a amené à la fameuse libération, libération Kabila, par la suite, en fait, c'est un pillage systématique du pays. Cette guerre, elle a été appelée au départ la guerre des Banyamulenge. Qui ne le sait pas? Nous avons vu des images ici que c'est les Banyamulenge qui étaient en première ligne. Cette guerre a commencé sur fond d'une revendication ethnique, identitaire. C'est cela le grand piège. Les pièges que nous devons éviter. Quand nous disons que les Banyamulenge ne sont pas congolais, quand Félix Tshisekedi le dit, lui, il prend tout le monde de contre-pied, il prend son courage et dit, ils sont congolais. Il le dit dans une salle à Londres, devant un millier, peut-être plus, de Congolais. Et que toute la salle crie, non. Les Banyamulenge prennent cette image-là, ils en font un plaidoyer. Ils disent, voilà, on est stigmatisé. Voilà, on ne veut pas nous reconnaître la nationalité congolaise. La conséquence, c'est la cause. Alors, quand vous dites qu'ils ne sont pas congolais, oui. Je suis d'accord. Moi, je prends mon courage, je dis qu'ils sont congolais. OK. Vous qui dites qu'ils ne sont pas congolais, qu'est-ce que vous proposez? Puisqu'ils sont là depuis 1960 et que personne d'entre nous ne prendra le courage d'apprendre, d'aller avec des camions pour les charger dans ces camions-là et les amener dans un autre pays. Aucun pays ne vous ouvrira les portes. Ça, d'abord, la communauté internationale n'acceptera pas de les charger dans un camion. Personne. Sinon, c'est de la déportation. Et ensuite, aucun pays voisin ne vous ouvrira les portes. Alors, quand vous criez, vous proposez quelle solution? Alors, moi, je voudrais qu'on aille pratiquement. Ouais. Voici les thèses, finalement, qui sont mises sur la table. Les Banyamulenge, c'est une fabrication d'un Rwandais qui a appelé les Banyamulenge sur base d'une montagne qui se retrouverait à l'est, qu'on appellerait Mulenge. Et ils disent ils sont des Banyamulenge, les venant de cette montagne-là ou de cette cité-là. Mais quand on pose la question à l'histoire, ce terrain n'a jamais été habité par ce peuple-là, par cette ethnie, ou si vous voulez, ce groupe. Mais voici ce qu'on dit. C'était des Banyarwanda arrivés au Congo qui vont finalement malicieusement prendre le nom de Banyamulenge. Et donc, ils nous piègent. Et l'Amérique, et l'Angleterre, et la Belgique piègent la RDC parce qu'ils veulent créer un peu le Batoustan, un peu en leur manière, que ça se passe de cette façon-là. Et les Congolais disent, pas question, il faut d'abord qu'on revienne avec la première qualification, ils sont des Banyarwanda, et ils sont venus du Rwanda, en ce moment, on peut se regarder. Mais quand Félix Tshisekedi dit qu'ils sont des Congolais, il pense que Félix Tshisekedi abroge une décision qui a été finalement, qui a abrogé aussi l'ancienne décision de Mobutu. C'est toute cette problématique qui dérange. Faites ces procès-là, anthropologiques, faites-le. C'est le même procès qui est fait depuis 60 ans.
et il n'a pas d'issue. Il ne débouche à rien. Ça, c'est, les gens sont en train de se satisfaire dans leur salon, dans les réseaux sociaux. Le Congo a besoin d'une solution. Il faut régler la question, Banyamulenge. Réhabilitons la vérité, Mike Mukibaye. Je suis en train d'y aller avec toi, je vais répondre. Faites ces procès-là, sous le plan anthropologique, faites-le. Mais ces procès est fait depuis 60 ans, ok? Moi, je vais vous dire ceci. La génération de Banyamulenge, celle qui est là aujourd'hui, dans la grande majorité, ce sont Banyamulenge qui sont nés où? Sur le sol congolais. Oui, la plupart. 60 ans. Oui. Alors, vous allez leur faire ces procès-là. Ces procès-là, vous les faites à leurs aïeux, à leurs ancêtres ou à ceux qui sont nés vos frères sur le sol congolais. Les Louba qui sont en France, ils sont arrivés avant 1960. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils deviennent des Anglais. Non, 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 je dis ceci. Ces procès, vous les faites à quelle génération de Banyamulenge? Les premiers Banyamulenge qui sont arrivés sur le sol congolais. La génération d'aujourd'hui, la contemporaine, celle qui est avec nous. Elle est née sur le sol congolais. Donc les choses ont évolué. Non, pas du tout, Mike. Non. La notion de l'immigration est faite par rapport à quelle génération? Non, attendez. Ceux qui sont nés sur le sol congolais, oui. Juste au moins du droit, d'un certain droit qui dit que c'est lui qui est né sur le sol congolais, obtient la nationalité congolaise. Oui. Le fait les distinguo. Et la question de l'immigration est gérée presque de la même façon par tout le monde. Oui. Le droit de sol, il est là. Donc ce débat que vous faites, c'est un débat historique qui a évolué. Et nous pouvons continuer à faire ces débats historiques encore 60 ans. Ce que j'ai craint, c'est que ceux qui disent qu'ils ne sont pas congolais, ceux qui font ces débats anthropologiques, jouent le jeu de Banyamulenge. Parce qu'en fait, la stratégie centrale, principale de Banyamulenge, c'est quoi? C'est la victimisation. C'est que nous sommes une minorité, mais pas seulement une minorité menacée. Il faut craindre qu'un jour le monde dise que le conflit a trop duré et que la cohabitation est impossible et qu'on passe à une solution à l'extrême. Partout au monde où il y a eu des morcellements, comme ça d'État, s'il y a été un conflit ou religieux ou ethnique, comme au Soudan, et ça avait trop duré. C'est ce qu'il faut craindre. Ça fait 60 ans. 60 ans encore après, moi je ne serai pas en vie, je crains que nos enfants perdent cette partie du pays. Je préfère le dire à mes compatriotes en le regardant dans les yeux. Ils jouent le jeu de Banyamulenge. Moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si nous faisons le pas en disant qu'ils sont congolais, parce que ce que nous oublions, c'est que le problème ne se pose pas seulement à Minembwe. Il y a Masisi, il y a Walikale, il y a Rutshuru, il y a bien de bien, il y a toute cette partie. Avec les projets d'identification que Félix cherche à mettre en route, vous savez que par là, ces projets-là ne passera pas, qu'il va y avoir des morts. Créons l'apaisement. Demandons au Banyamulenge une chose, après que nous ayons nous fait une concession pour pouvoir offrir les cadres pour des discussions, dire qu'ils sont congolais. De toutes les façons, même ceux qui disent qu'ils ne sont pas congolais, n'ont pas, au jour d'aujourd'hui, même demain, le pouvoir de venir les prendre là et de les déloger. Donc, soyons réalistes. Alors, quand nous aurons fait ces pas-là, ce qui choque le plus chez les Banyamulenge, et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont sur la défensive, c'est qu'ils vivent dans une sorte de communautarisme. Ils sont enfermés chez eux. Nous aurons les Occidentaux sur cette question. Parce que c'est communautarisme, il est combattu même en Occident. Quand vous arrivez en France, ce que le gouvernement français vous demande en premier lieu, quand vous êtes immigré, c'est quoi? De l'intégration. Oui. Mais eux, alors, vous pas attendez, on les accuse, il faut pas se plaindre, il faut travailler. C'est pourquoi je parle d'un processus. Oui. C'est un processus. Il faut maintenant les intégrer. Il faut les amener à l'assimilation, c'est trop fort. Je parle d'intégration, sinon assimilation, c'est un reniement de soi. Mais il reste à l'intégration. Comment on peut intégrer le Banyamulenge aujourd'hui? Je vous donne un exemple. Vous créez une grande université à Minembwe, très grande, la plus prestigieuse ou l'une des plus prestigieuses de la République démocratique du Congo. Les enfants Congo central, ils vont étudier là-bas. Les enfants Équateur, ils vont étudier là-bas. Les enfants Kasaï, ils vont étudier là-bas. Dans 10 ans, on va avoir là-bas une population cosmopolite qui se serait entremêlée. Alors, mais là où... C'est une intelligence. Mais là où je voudrais vous poser la question de façon technique, oui. Parlons-en. C'est quand même des gens qui sont nés ici au Congo, vous le dites. Mais cette génération actuelle. Alors pourquoi ne veulent-ils pas sortir? Parce que même quand ils sont à Kin, ils sont bloqués quelque part. Attendez. On ne le voit pas en Gaba, on ne le voit pas à Kitambo Magasin, on ne le voit pas sur la place Victoire. Pourquoi vivent-ils dans ces communautarismes-là? Attendez. Ouais. Les gens oublient que nous avons vécu en harmonie avec les Tutsis ici à Kinshasa et partout au Congo. Les gens oublient. Jusqu'en 96. Nous avons vécu avec les Tutsis en harmonie. Les gens oublient ça. L'IFASI que vous voyez, qui s'appelait à notre époque ISTI, c'était une institution régionale, Grand Lac. Chaque année, le Burundi et le Rwanda envoyaient ces étudiants-là. Nous vivions avec les Tutsis ici, en paix. Il s'est fait qu'à un moment donné, nous les avons pris pour cible
d'abord sous Mobutu en 96, que c'était eux qui étaient derrière la guerre de l'Afdel, avant que nous acceptions l'avancée de l'Afdel, il y a eu de l'hostilité contre les Tutsis. Ils ont été chassés, c'est à l'époque que les Mikuru Itare sont partis. Ils ont été pourchassés et même tués. Il est inadmissible, quand il y a un problème entre deux gouvernements, que des individus se règlent des comptes dans la rue. Nous avons laissé faire ça. C'est très grave de la part d'une nation qui se veut grande. Les problèmes entre États, ces règles entre États, vous ne pouvez pas, parce qu'un État voisin vous a agressé, et vous exonérez vos citoyens pour tuer dans la rue, brûler vifs. C'est contre l'humanité. Nous l'avons vécu ici. Est-ce que vous avez fait charger laisse-moi y aller. Non, attendez. Quand des citoyens ont posé des actes qui sont répréhensibles sous la passivité du gouvernement, il faut dénoncer ça. Mais je ne veux pas dénoncer les individus. Les individus, non, attendez, les individus n'ont pas à se régler des comptes dans la rue. Quand il y a des conflits à l'État, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous imaginez les crimes qui ont été perpétrés? Mais ces crimes, attendez, vous ne les réglez pas dans la rue. Les crimes qui ont été perpétrés, vous ne vous réglez pas les comptes dans la rue. La masse n'a pas d'intelligence. Non, attendez, n'a pas de réflexion, n'a pas de raison. Au moins, les gouvernements, oui. Au moins, le gouvernement doit se dresser et dire non. Parce que pendant que nous tuons, nous attaquions des Tutsis ici, des Congolais étaient en grand nombre au Rwanda et ils ont été protégés. Je dois dire la vérité à mes compatriotes. Nous exposions nos compatriotes à l'époque qui vivent jusqu'aujourd'hui au Rwanda. Ils sont là par dizaines de milliers. Des problèmes d'État se règlent d'une façon donnée. Ce n'est pas parce que... Donc nous revenons donc à la loi des talions, et pour aide, pour don. Donc même ici à l'interne, s'il y a un problème, moi je prends, je crève l'œil à celui qui m'a blessé. Non, nous l'avons fait. Ça a créé un repli chez les Tutsis. Et après, vous savez, la guerre de l'Afdel, quand l'Afdel arrive ici, et que finalement les Rouberois vont faire la guerre à partir de Goma, il y a encore une chasse à l'homme Tutsi. Ça a créé une méfiance chez l'homme Tutsi. L'homme Tutsi, quand il vit chez nous, il a des problèmes. Il se cache. Parce qu'il y a eu une campagne pour dire que c'est un homme dangereux, il est fourbe, il infiltre le Congo. Oui, il y a eu de l'infiltration, il y en a encore. Kinshasa a été complice, je vais vous dire deux, trois choses. John Tshibangu, que vous voyez là, sa révolte, c'est parce qu'un jour, il a cerné les troupes de Nkunda, CNDP, et il demande aux autorités militaires de lancer l'assaut. 3 heures du temps, on lui dit, Kinshasa a donné des instructions strictes, tu ouvres le couloir aux ennemis. Il y a de l'infiltration, Kinshasa a été complice à plusieurs reprises. Je vais d'ailleurs te donner une autre révélation. Les armes du M23, quand le M23 est défait, la MONUSCO récupère ses armes, il y a une enquête sérieuse. Et les armes ont été achetées où? En Ukraine. L'acheteur, République démocratique du Congo. Comment ils se sont retrouvés entre les mains du M23? Il y a eu de l'infiltration, ça, on doit le reconnaître. Mais les problèmes entre peuples, ça ne se règle pas de cette façon-là. C'est ce qui a créé cette méfiance au jour d'aujourd'hui. Mais il est temps de régler ces problèmes. Il est temps de nous regarder en face. Il est temps de craindre que le conflit ne dure trop longtemps. Qu'un jour le monde décide à notre place. Je voudrais bien qu'on se le dise, mais quel est le vrai problème? Parce que j'ai comme l'impression, en vous écoutant, votre problème, il est ailleurs par rapport à celui, à celui des autres. Où je m'explique. Honoré Mbanda, Patrick Mbeko, Charles Onana et bien d'autres Congolais estiment que ce n'est qu'un autre bras du Rwanda. C'est le Rwanda qui veut prendre Minembwe. Et il a commencé, selon eux, le processus depuis très longtemps, en amenant des populations, les amenant là-bas, les installant aussi au Congo, disons au Congo, le Rwanda, manipulant les... Le Rwanda n'a jamais amené les populations là-bas, c'est une transplantation qui s'est faite à l'époque coloniale. Mais justement, mais ouais, le Rwanda, donc, après, lui-même était colonisé. Donc c'est là que j'ai dit, même quand nous voulons restituer l'histoire, restons objectifs. Ce n'est pas le Rwanda qui a pris des Banyarwanda, quelque part qui les a amenés. Mais vous comprenez, au jour d'aujourd'hui, l'évolution que le monde a connue, où il s'est fait qu'il y a un nègre, excusez-moi, en guillemets, Kenyan qui arrive aux États-Unis. Il a un enfant qui s'appelle Barack Obama.
Donc, c'est la seconde génération de cette famille-là sur le sol américain et il devient un jour président américain. Donc, quand nous discutons avec le monde sur cette question, l'évolution, la transplantation des populations, nous n'avons pas la même compréhension. Et quand nous n'avons pas la même compréhension, nous devons tenir compte du rapport de force. Évitons de nous mettre dans une situation où un jour le monde nous imposera... Non, c'est le temps proche aussi. Je crois qu'à un moment donné, un Japonais ne pouvait pas être président en Chine ou un Chinois ne pouvait pas être président au Japon. C'est lié au contexte. Nous, on vient... On est dans un contexte particulier. Non, j'ai dit ceci, hein. Je suis en train de parler de la compréhension de la question de l'immigration dans le monde. Oui. Je ne dis pas que maintenant il est permis qu'un Français devienne président ailleurs. Mm. Mais je parle d'un cas particulier d'Obama. Un immigré, fils d'immigré, né sur le territoire américain, qui quelques années plus tard devient président américain. Donc quand vous êtes autour d'une table, quand vous êtes aux Nations Unies, c'est cette compréhension qui prime. Quand vous avez la vôtre et que vous voulez la faire passer, alors il faut créer un rapport de force. Quand ce rapport de force-là n'existe pas, je crains qu'un jour le monde ne nous impose. Pensez-vous aujourd'hui qu'un un Russe, un Américain, dites ce que vous voulez, que ce soit d'un père russe ou d'une mère russe, pensez-vous que ce monsieur a de la chance de devenir président aux États-Unis, ou même bourgmestre aux États-Unis, ou même maire de la ville? Non, mais nous, ça ne sera pas possible, parce qu'on va se dire, Russie et nous, on a des problèmes. Avec le Rwanda. Je vais vous dire une chose. Regardez, il y a une question. Elle n'est pas de même nature, mais elle met l'Europe en difficulté. Heureusement que l'Europe est une société démocratique où le débat est permis. C'est la question de tous ces citoyens européens, belges, français, ainsi de suite, qui rallient Al-Qaïda, qui rallient l'intégrisme, l'islamisme. Pour la plupart, quand on vous dit 100 Français ont rallié Al-Qaïda en Syrie, ou je ne sais pas, en Irak, sur le 100 Français, 95 sont d'origine maghrébine. C'est une question très embarrassante pour l'Europe. Mais vous avez vu comment l'Europe la gère. Les Maghrébins sont les bienvenus. Ils viennent, ceux qui sont des bons citoyens, ceux qui ont la nationalité, ils sont acceptés, ils sont là. C'est cela la grande question. L'Europe aussi est en difficulté. À un moment donné, il y a des groupes extrémistes qui sont en train de stigmatiser le Maghrébin. Mais la question est gérée. Regarde tous ces mouvements extrémistes de droite qui tentent de prendre le pouvoir en Europe, mais qui sont contrés par le courant démocratique. C'est cela ce qu'il faut nous faire. Il nous faut réfléchir profondément. Quel est le problème? C'est d'abord pas normal qu'un pays porte un problème depuis 60 ans et qu'il n'y apporte pas de solution. C'est irresponsable. Vous me citez Nguanda. Nguanda est installé là, je ne sais où, en exil. Il pompe son discours dans les réseaux sociaux, mais il a laissé cette question pendante avec Mobutu. Ils ne l'ont pas résolu. Ben, il dit qu'il était simple agent de sécurité, okay, et qu'il n'avait pas, pas la décision. Ok, d'accord. Alors, au-delà de tout, c'est là que je dis détabouisons la question. Alors que les gens soient courageux, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que les gens sont dans des attitudes fantasmagoriques. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour établir l'histoire d'abord? Attendez, je vous dis ceci. Si vous commencez l'histoire, elle sera rétablie. Si pas par nous, si pas par moi, je n'ai pas la compétence par les historiens. Mais vous devez comprendre comment deux questions. Il y a deux questions principales. Comment ces questions sont gérées dans le monde? Comment elles sont comprises? La question d'immigration et la question des minorités. Est-ce que nous pouvons dire que le Maghreb est une question minoritaire? Je vous dis ceci. Devant l'histoire, je reviens et j'insiste. Vous allez à l'histoire, la transplantation. Mais vous êtes devant une génération qui est née sur le sol congolais. La génération actuelle des Banyamulenge. Non, mais mec, les Libanais sont nés aussi. Si. Non, attendez. Il y a des Chinois qui naissent ici, des Turcs qui naissent ici. Attendez, je vais vous dire une chose. Mais le Libanais qui est né ici, oui, il a droit à la nationalité congolaise. Bien sûr. Mais alors, ben ouais, ça veut dire vous, c'est. Mais ils n'auront pas une commune demain. Non, attendez. Là, vous posez un autre problème. Donc, ça voudrait dire que les Minembois, les Banyamulenge qui sont nés sur le sol congolais, ne sont pas à traiter dans le cadre de ces débats anthropologiques que vous posez, parce que eux ont évolué par rapport à leurs aïeux, à leurs ancêtres qui étaient venus du Rwanda. Eux sont nés ici. Non, donc, quand vous parlez de cette restitution historique, vous devez ouvrir une exception là-dedans de ceux qui sont nés ici et qui sont la grande majorité. Alors, moi, je vous pose une question, répondez-moi, dans ma tête. Mike Mukebai, prenons les Congolais, je prends les Mongols. Les Mongols se retrouvent aux États-Unis.
Et puis après deux générations, ils sont nés là-bas, ils commencent à vivre là-bas. Et un jour, ils se remettent ensemble, ils disent non, maintenant nous voulons prendre Miami, que ce soit pour nous, c'est notre Miami. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous dire une chose. Oui, dites-moi. La première faute que nous avons commise, et la plus grande, la faute historique depuis l'indépendance, c'est d'avoir laissé les Banyamulenge là chez eux. Ils en ont fait maintenant un chez eux. Il est impossible que les Mongols débarquent aux États-Unis et qu'ils vivent comme ça, en vase close, et qu'un jour, ils développent une revendication identitaire. Les Américains ne le permettront pas parce que le pays lui-même est organisé de sorte que quand tu arrives, tout de suite, tu es soumis à l'intégration. Ce que nous n'avons pas fait, nous les avons laissés vivre comme ça, dans un ghetto. Et il y a un esprit grégaire qui s'est développé chez eux. Ils ne se sentent que Banyamulenge, pas congolais. C'est la première erreur. Ce qui ne se fera jamais aux États-Unis ou en France. Je vous dis que quand vous débarquez en France, vous êtes immigré, on vous dit avant tout, monsieur, intégrez-vous. Nous avons fait cette erreur historique. Nous les avons laissés. Mais c'est pas nous, c'est la communauté internationale. Non, du moment qu'ils étaient chez nous, nous devons les gérer. Quand on vous amène un problème chez vous et que historiquement il est installé, là c'est vous qui les. Mais Kengo a répondu à votre question. Alors, Kengo a répondu à votre question. Il y avait des résolutions des Nations Unies qui demandaient aux Nyamulenge et aux Nyarwanda de rentrer chez eux. Quand ils ont demandé de faire de couloirs. Je vais vous dire ceci. Mais on a bombardé les camps de réfugiés. Je vais vous dire ceci. Oui. Je reviens. Quand nous faisons ces procès, sachons que dans l'entretemps, les Aïe Banyamulenge sont partis, les ancêtres sont partis, qu'en vertu de notre propre loi, de notre propre législation sur la nationalité, nous avons une nouvelle génération qui jouit des droits auxquels leurs aïeux n'avaient pas. Oui, mais c'est par naturalisation, c'est pas. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Ouais. Alors, si vous devez rester sur ces procès-là, nous n'en sortirons pas. Quand on parle de cette question de Banyamulenge, vous voulez la présenter comme une charge de la communauté internationale et nous n'avons pas de responsabilité. C'est la question des réfugiés rwandais qui ont traversé en 1994. Les réfugiés rwandais traversent en masse. Les droits internationaux vous imposent de recevoir les réfugiés. Mais les réfugiés rwandais traversent armes au poing. Oui. Pourquoi nous ne les avons pas désarmés? Et parce qu'ils étaient sous protection de la communauté internationale. Non, attendez, je vous réponds. En Tanzanie, ils sont arrivés en masse. La Tanzanie a dit, vous allez entrer, mais désarmés. Ils ont été désarmés. En Tanzanie, ils ne sont pas entrés armés. Chez nous, ils sont entrés armés parce qu'il y avait une complicité avec Mobutu qui pensait qu'un jour, il allait venger son ami Abirimana. Et cela nous a valu une guerre quelques années plus tard. Ils étaient armés dans leur camp. Donc, il y a une responsabilité à nous sur cette question-là de Banyamulenge. Ne nous déchargeons pas. Parce que de toutes les façons, au jour d'aujourd'hui, si nous déchargeons sur le monde, bah, le monde n'en a rien à voir. Hein. Qu'est-ce que vous répondez? Le monde n'en a rien à voir parce qu'en fait, c'est nous qui payons. Pensez-vous que nous risquons alors, une déclaration internationale pour dire, bon, comme vous ne vous entendez pas, et que ces minorités sont dérangées, je les déclare minoritaires comme une cité autonome, un pays autonome. J'appelle mes compatriotes à la responsabilité. Le monde, il est cynique. Regardez ce que les Palestiniens vivent chez eux. Chers compatriotes, faites attention. Regardez ce que les Palestiniens vivent chez eux. Ils sont occupés par Israël. Puisqu'Israël est puissant, et Israël bénéficie du soutien d'une autre puissance, la plus grande du monde, voilà, ils occupent la Palestine, au vu et au su de tous. C'est cynique, c'est choquant. Vous craignez ça pour nous? Évitons les faits accomplis. Si les faits accomplis nous arrivent un jour, difficile d'en sortir. Au jour d'aujourd'hui, les colons juifs sont là, en territoire palestinien. Ça devient une question de négociation, alors que c'est un droit palestinien. Est-ce qu'il... Alors, non, attendez, c'est ce que je vous dis. Pourquoi vous ne soulevez pas le mensonge historique? Pourquoi vous ne soulevez pas ce mensonge historique? Pourquoi vous ne... Le fait pour eux de venir, et après, à un moment donné, de changer d'identité, de refuser même, de renier leur nationalité d'origine. Je vous dis ceci. C'est ce qui fait mal aux gens. Je vous dis ceci. Oui. Si vous voulez ergoter autour de cette question, nous ergoterons pendant des décennies. Comme nous avons ergoté les 60 ans passés. Je vais vous dire, vous démontrer les contradictions qu'il y a chez nous-mêmes, les Congolais. Il nous faut d'ailleurs que nous ayons une position claire. Cette question ne date pas d'aujourd'hui. HCPT, Parlement 94-95, Parlement de transition, dirigé par Monseigneur. Une mission parlementaire est diligentée dans le Nord. La même question de nationalité. Je suis en train aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme. Je dis que la question ne s'arrête pas à Minembwe. Elle va dans le Nord Kivu, à Masisi, à Walikale, à Rutshuru. Aujourd'hui, nous ne parlons que de Minembwe.
À cette époque-là, cette mission parlementaire arrive. Elle est dirigée par Van Mambeni, père à son âme. Mobutiste qui avait rallié Kabila comme conseiller diplomatique et puis après il est mort. Vangou revient avec un rapport parlementaire choc ici. Le rapport est adopté à l'Assemblée. Ce rapport décide quoi? La déchéance de nationalité de certains Tutsis. Déchéance de nationalité de gens qui avaient vécu ici pendant des décennies. Entre autres, Kalinga Miré, père son âme, il est mort. Entre autres, Rwakabuba Shinga, je ne sais plus de ses nouvelles, il est très vieux, en tout cas, je crois qu'il est déjà mort. Ils sont déchus de la nationalité, déchus. C'est Rwakabuba là avait été ministre provincial dans les années 60. Hein, paradoxe, après, nous lui refusons la nationalité congolaise. Ok, tant mieux. Mais que font les deux? Je ne parle pas de tous les autres Tutsis. Minou de l'air, document d'identité, ils requêtent devant la Cour suprême. Ils sont réhabilités par la Cour suprême congolaise. Quand l'Occident voit ça, qu'est-ce que l'Occident passe de nous? Cette contradiction-là. Votre Parlement décrète la déchéance. La justice réhabilite les mêmes individus. C'est la vous êtes quoi? Mais c'est la démocratie. Non, vous, aux États-Unis. Attends, mais c'est ce que je vous dis. Attends. Mais quand après vous posez la question Tutsi à un étranger qui a vu cette contradiction dans votre propre pays, qu'est-ce qu'il pense de vous? Mais justement, le problème est à quel niveau? Est-ce que vous comprenez? Quand l'étranger voit que chez vous déjà, vous ne savez pas avoir une position, le Parlement des choix, ici on réhabilite. C'est ça le problème, ça s'est passé dans ce pays. Oui, mais je ne vois pas le problème, mec. Non, vis-à-vis de l'étranger. Mais quand maintenant tu viens dire à l'étranger que cet outil-là n'est pas congolais, et quand l'étranger rentre dans les annales congolaises et se rend compte qu'un jour, des Tutsis déchus de leur nationalité ici ont été réhabilités là-bas. Mais la question est bien posée, Mike, parce que lorsque le Parlement prend une décision pour déchoir la nationalité collective, c'est déjà impensable, ça ne peut pas se passer comme ça. Et la Cour constitutionnelle a jugé les cas par cas. Alors, c'est ça que j'ai t'ai dit. Maintenant, la perception... C'est normal. Oui, à l'interne. Oui. Mais la perception de l'étranger sur l'identité Tutsi que vous avez. Je ne sais pas si tu comprends. Très bien. Mais quand tu dis, ces Tutsis-là ne sont pas congolais. Oui. Mais dans vos annales, vous-même, vous êtes entré en contradiction. Oui. Et un jour, la justice... Je parle de la conception. Moi, parce que la question, Banyamulenge, n'est pas une question exclusivement congolaise. Elle n'est pas une question exclusivement congolaise. Oui. Il y a l'implication de la communauté internationale. Je demande à nos compatriotes, ceux qui sont capables de pénétrer la pensée, de l'intelligence et voir les relations internationales. Comment expliquez-vous la présence de l'ambassadeur américain sur le lieu? Je sais qu'il y en a qui sont fâchés. Si, mais il a dit qu'il ne savait pas que ça, c'était autour de la question. Ils sont dans leur histoire de caravane de la paix. Attendez. Bah, il peut donner l'explication. Mais il était là présent. Oui, mais... Il peut s'expliquer. Oui. Il était là présent. Comment vous expliquez sa présence? Si la question est une question de moindre ampleur. Moi, je reviendrai... Saviez-vous que quand il y a eu le massacre de Gatumba, c'était Banyamulenge qui avait été ciblé dans un camp de réfugiés au Burundi. Et par la suite, la communauté a imposé que les survivants reviennent au Congo. Les autorités du Sud-Kivu de l'époque s'y sont opposées. Ça a été clair. Ils vont revenir au Congo. Sinon, monsieur, nous prendrons les décisions qui s'imposent. Et ils sont revenus au Congo. Donc, il y a une dimension internationale à prendre en compte. Justement, une dimension internationale pour prendre vos terres. C'est ça le problème. Non, cette dimension internationale joue dans le jeu de prendre vos terres. Je vais vous dire ceci. J'ai proposé une solution ici. C'est une solution qui amène à l'intégration de Banyamulenge pour que dans les 5, 10, 15 années à venir, qu'il soit dilué dans la population congolaise. Si nous arrivons à cette intégration, la revendication en elle-même, elle va disparaître. Oui, mais le problème pour eux, c'est pas ça. Ils sont élevés comme ça. Non. Les gens disent qu'ils sont élevés comme ça. Vous les aidez. Ils doivent prendre des terres. Non. Vous les aidez un jour à faire aboutir cette revendication de prendre notre terre en restant en groupe dans un ghetto appelé Minimbwe. Alors, évoluons. Il faut détruire le ghetto Minimbwe pour le détruire. Il faut l'intelligence. Il faut détruire Minembwe. Minembwe ne devra plus être le territoire occupé par les seuls Banyamulenge. La stratégie est simple. Il faut mettre les gens là-bas. Il faut que d'autres Congolais vivent à Minembwe. Est-ce que vous savez comment les autres Congolais souffrent là-bas? Ils ont un problème. Les chefs coutumiers. Je vous dis ceci. Je ne suis pas Banyamulenge. Je ne suis pas là, moi, comme acteur, à me plaindre. Je cherche des solutions. Et votre solution? Les proposer intégrons. Ici. Il faut que dans les 5 ans, dans les 10 ans, qu'il n'y ait plus de territoire exclusivement
habitées par les Banyamulenge. Il faut que les Banyamulenge vivent partout au Congo. Il faut qu'ils se dispersent à travers les territoires nationaux. Que ceux qui voudront rester là-bas, ils vivent en paix. Il faut que d'autres Congolais y aillent. Il faut que demain, nous ayons une population cosmopolite sur ces terres-là. C'est l'une des solutions. Je suis d'accord avec vous. Mais, alors on a mais ça ne s'arrête pas là. Mmh. Je vous dis, aujourd'hui, vous ne parlez que de Minembwe. Mais il y a Masisi, il y a Rutshuru, il y a Walikale. Ça, personne n'en parle. Très bien, on reviendra. Parlons maintenant de ces acteurs. Il y a, a Rouberoy. Parlons de lui. Mike Moukebaï, qu'est-ce qui fait que Rouberoy redevienne toujours ministre et de la décentralisation quand on sait qu'il n'a pas de députés au niveau de l'Assemblée nationale, il n'a pas de sénateurs. J'ai la réponse. Il n'a rien. Mais la réponse, elle est là. Pourquoi c'est toujours lui? Mais c'est Kabila. Avec, si avec son quota à lui. Et si c'était lui le patron? Non. Attends. Mais c'est Kabila, c'est clair. Non, mais si c'était Kabila, lui, Rouberoy, le vrai patron de Kabila. Attends, je vais y aller, je vais y aller. C'est Kabila, c'est clair. Kabila a un quota dans la composition du gouvernement. Oui, mais dans le quota, pourquoi c'est lui? Attends, j'y vais, j'avance. C'est Kabila, c'est clair. Il y a des affinités entre nous deux. Quel type d'affinité? L'affinité, la première, elle est d'abord linguistique. Ils parlent tous la même langue. C'est-à-dire Kinyarwanda? Bah voilà. Vous avez déjà entendu Kabila parler Kinyarwanda? Ah, je te l'ai dit qu'ils parlent tous la même langue. Je te l'ai dit. Je suis un homme informé. Il y a d'abord des affinités linguistiques. Je l'ai dit ici. Je m'assume. Ce n'est pas faire insulte que de les dire qu'ils ont des affinités linguistiques. Quelle autre affinité? L'AFDEL. L'AFDEL. Mais Rouberoy n'a jamais été de l'AFDEL. Rouberoy a fait l'AFDEL. Ah, il a fait l'AFDEL. Rouberoy s'est rébellé contre l'AFDEL. Ils sont venus ici avec les Bizima. Oui, exact. Ils se sont rébellés pour faire aller créer les RCD. Les RCD. Oui, il y a bien d'autres affinités, non? Est-ce que c'est vraiment clair. Est-ce que vous pensez que c'est le Rwanda qui finalement parraine la relation de Rouberoy? Est-ce que c'est Rouberoy le gouverneur général du Congo? Je vais y aller tout doux. Vous attribuez trop de puissance au Rwanda. Ça, c'est quel dirigeant de leur pays, du pays, qui passe leur temps à entretenir de fantasmes, des angoisses les esprits. Il faut dire ça en Rwanda. Attends, je vais y aller. J'ai ma petite expérience là-dessus. J'ai beaucoup de respect pour Charles Onana. Il a écrit, il est lu, il est respecté dans certains milieux, mais il y a des choses à redire dans ce qu'il écrit. J'ai ma petite... C'est tout le temps, on crie aujourd'hui, c'est devenu le leitmotiv, c'est vraiment le slogan de Martin Fayoulou, balkanisation. Mais hier, qui a porté le discours de balkanisation? C'était pas Joseph Kabila et les siens? Pour justifier leur échec, ah, on balkanise les pays, les Occidentaux ne nous aiment pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est Martin qui a enfourché ces discours-là. La balkanisation, là, elle se prépare dans quel pays du monde? On peut nous en donner les éléments concrets au lieu de fantasmer. On a parlé. Au lieu de préparer. Attendez. Ils ont dit attendez, les États-Unis, Angleterre, attendez, Belgique, attendez, Rwanda. Attendez. Attendez. Quatre pays. Attendez. La balkanisation. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Le Congo était balkanisé il y a quelques années ici. Faisons le bon débat. Quand le Congo s'est retrouvé scindé, divisé en trois zones administratives. Exact. MLC, RCD et Kinshasa. Le monde ne nous a-t-il pas aidé à la réunification? Qui a organisé les assises du dialogue intercongolais? C'est nous? Où c'est le monde? Pourquoi on fantasme comme ça? Nous sommes arrivés là-bas, nous étions incapables de trouver des solutions. Bemba et Kabila ont quitté Santiti pour un schéma à eux appelé accord de cascade. Ils ont débarqué à Matadi, ils n'ont pas pu appliquer ces schémas-là. Etienne Tshisekedi a dû s'allier au RCD pour créer un rapport de force revenir à la table de négociation. Nous avons eu de la peine à trouver un compromis. Le monde nous a mis la pression. Thabo Mbeki a presque pleuré pour nous amener à la solution. Les Congolais ne s'entendaient pas, ça allait dans tous les sens. Arrêtez de fantasmer comme ça. C'est quel pays où les dirigeants sont là à entretenir de peur plutôt qu'à apporter des solutions? Je vais y aller maintenant, la puissance, cette fameuse puissance Tutsi. Le Tutsi Power. Et il y a même des gens pour comparer le Tutsi Power. Vous avez un président Kagame qui sait qui est un bon manœuvrier. C'est cela par rapport au Congo. Un bon manœuvrier qui a su avoir la sympathie du monde, surtout à partir du génocide. Regardez, je vous donne un élément. Ici, Kinshasa, nous sommes infiltrés. Kinshasa, les 18 années de Kabila, ce sont les 18 années de l'infiltration. Le monde nous a aidés. Qui a décrété qu'il y a eu 6 millions de morts, avant que je parle de deux exemples en ce qui concerne la puissance d'outils? Qui a dit qu'il y avait 6 millions de morts au Congo? Ce n'est pas le monde?
C'est pas les Nations Unies, c'est pas la France qui a fait ce travail diplomatique pour nous. Par la suite, quand Chirac obtient ses résultats pour nous et que Chirac doit quitter le pouvoir, il fait ses adieux au chef d'État africain. Kabila a fait les déplacements pour aller remercier Chirac. Non, il a préféré envoyer Vital Kamerhe. Et comment le monde va continuer à vous soutenir? Et ces fameux 6 millions de morts, puisque Kinshasa a été longtemps infiltré sous le régime de Kabila, nous-mêmes, nous les célébrons, ces 6 millions de morts. Y a-t-il un seul mémorial au Congo pour célébrer les 6 millions de morts? Qu'est-ce que le monde ne fait pas pour nous? C'est à cause de l'infiltration qu'il y a chez nous, que nous-mêmes, nous n'avons pas de mémoire sur cette question. Vous appelez, vous dites infiltration, eux disent occupation. Je t'ai dit. Je vous donne cet exemple-là. Mais allons, maintenant, parlons de la puissance Tutsi. On veut même comparer les fameux Tutsi Power à l'influence juive dans le monde. L'influence juive dans le monde, ça fait 200 ans, 300 ans, même plus. C'est des juifs milliardaires qui tiennent l'économie mondiale, qui ont la capacité... Ce sont eux les plus grands puissants. Qui ont la capacité d'influer, d'influencer la politique internationale. Les Tutsis ont cette puissance-là? À quel niveau? On peut m'en citer quelques-uns? Qui on peut me citer? Vous allez citer ici des Rothschild, des grands, des puissants juifs à travers le monde, qui brassent des milliards. Et les Tutsis, c'est qui vous allez citer? Vous avez un président manœuvrier qui a bénéficié d'une sympathie consécutive au génocide, et il a utilisé ça, il a vendu ça. Mais ça commence à naître. Comme nous, non, non. C'est naissant. Attendez, attendez. Et vous avez un manager qui a compris comment jouer avec le monde, qui dans l'entretemps est en train de faire avancer son pays sur le plan socio-économique, qui s'attire du respect chez le monde qui est pragmatique, qui regarde plus au développement qu'aux idéologies. Et vous, vous ne savez pas jouer sur ça. C'est nous, à nous de jouer aussi. Vous parlez tout du pouvoir. Moi, j'ai passé 3 nuits. Attendez, je vous ai donné l'exemple au jour d'aujourd'hui du M23, que les armes venaient de la République de moitié du Congo. Les tout du pouvoir étaient où pour lui fournir des armes? J'ai passé 3 nuits dans le maquis de Laurent Kunda. Je vous ai donné l'exemple ici où Kunda s'est retrouvé cerné par John Tshibangu. C'est Kinshasa qui l'a sorti de ce siège-là. Mais c'est justement ça, les tout du pouvoir. Non. Quand vous parlez de cette infiltration au Congo, Kabila arrive. Qui aide Kabila à consolider son pouvoir? Ce n'est pas des Congolais comme toi et moi. Où sont les Tutsis? Non, attendez. Non, attendez. Mais c'est vos compatriotes qui aident Kabila à consolider son pouvoir. Mais bien sûr. C'est des Congolais. Oui, Attendez. Si c'est les Tutsis, mais ils achètent des Congolais, donc ça dit que vous êtes faible vous-même. Mais exactement. Mais alors, donc c'est un peu ça. Donc, apprenez à vous remettre en cause vous-même. Ne cherchez pas tout le temps les sourciers ailleurs. Est-ce que le problème n'est pas Roubaix-Roi? Je vous ai donné. Moi, j'ai passé 3 nuits dans le maquis de Kunda comme journaliste. 3 nuits. Mais il n'avait pas une force de feu redoutable. C'était une guérilla pauvre. Je t'ai dit. J'ai vu comment c'est nourrissait ses hommes, les approvisionnements et tout ça. C'était pas terrible. Mais je te l'ai dit. J'ai fait un public reportage. À l'époque, j'étais journaliste au Soft. Je suis revenu. Ces public reportages-là étaient payants. C'était pas mon argent, mon fric à moi. Ils devaient payer au Soft. Mais ils ont pris 1 ou 2 mois pour payer ces 3 000 $. C'est un d'entre eux qui était ici dans l'administration de la SNEL au nom du 1+4 et qui a finalement payé ces 3 000 $. On crée des fantasmes comme ça. Je vais vous donner encore un autre exemple. Moi, j'ai une amie rwandaise que j'ai connue en 2001. Kofi Annan débarque ici. À la suite de Kofi Annan, nous faisons le voyage jusqu'à Goma. Lui, continue sur le Rwanda. Et puis nous, on visite les territoires RCD. On va au Rwanda. Je fais connaissance avec une journaliste, Lissu Umukumba. Et puis nous nous retrouvons avec elle au dialogue intercongolais. Elle est là comme journaliste de la VOA, la Voix de l'Amérique. Vox, comment on appelle encore Vox of America. Je m'affiche avec elle, c'est une amie, je ne me gêne pas, je suis journaliste, c'est une consoeur pour moi. Mais dans l'entretemps, j'ai beaucoup d'informations, parce que moi, je savais quelles étaient ses entrées. J'ai beaucoup d'informations par elle. Un jour, le vieux encore vivant, Mutinga, je le rencontre à Sun City, comme par hasard, il me dit, monsieur, tu es fiché au niveau de l'ANR, le service ici, à Sun City. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'affiches avec une Rwandaise, tu es infiltré. Pourquoi ne pouvons-t-on pas penser que moi aussi, je peux infiltrer lui-ci? Pourquoi il y a quelqu'un qui peut m'infiltrer? Et maintenant, je vais te dire. Pendant que nous sommes à Sun City, le Rwanda dépêche sur le lieu un homme appelé Damascène. Beaucoup le connaissent ici. Mm. Damascène, c'est un homme qui travaille pour le protocole Affaires étrangères au Rwanda. Mais en fait, un homme de service. Tout le monde le sait que c'est un homme de service.
Tous ceux qui étaient au Rwanda le savent. Alors, un agent connu est un agent désactivé, je crois que tu le sais. Oui. Quand on voit un agent connu en bonne intelligence, vous ne pouvez pas vous dire que c'est de la diversion. Le gouvernement, à l'époque de Kinshasa, a réuni toute une conférence de presse pour demander l'expulsion de Damascène de Sainte-Cité. Un peu comme vous demandez l'expulsion de l'ambassadeur. Je t'ai dit, tu as demandé. Mon cher ami, on vous envoie un agent connu en bonne intelligence. Ça signifie que c'est de la diversion et le travail s'est fait ailleurs. Ailleurs, oui. C'était ça la petite intelligence. Mais non, tous ont été focus sur Damascène. Et moi, j'avais des informations sur le travail qui se faisait ailleurs, mais je ne pouvais les livrer à personne. Parce qu'on pensait que j'étais infiltré. C'est ça, la faiblesse du Congolais. Il est dans les fantasmes. Pourquoi tout le temps on doit pleurer de l'infiltration? Est-ce que vous... Pourquoi moi je ne peux pas infiltrer le Rwanda? Mais parce que vous n'avez pas les moyens. Non, c'est d'abord l'intelligence. Ben oui, mais je t'ai donné un exemple simple. Oui. Dans un petit cadre réduit, qui n'est pas l'État congolais, avec ses plus de 2 millions de kilomètres carrés, une relation avec une amie journaliste qui me permet d'apprendre des choses, mais tout de suite, je suis fiché par les services plutôt que de m'approcher et de comprendre ce que j'ai fait. Alors, comprenons maintenant la problématique de Minimboué. Vous avez parlé de la solution de l'intégration. Ma question, et celle de beaucoup d'autres d'ailleurs, on va passer à notre sujet. Est-ce que Rubero est rwandais? Si vous voulez mon point de vue, j'ai dit non. Donc, il est congolais? Il est congolais. Ça vous gênerait qu'il soit président de la République? Ou quelqu'un je ne vois pas comment il les deviendrait. Mais comment ça? Il a été candidat ici, il n'a même pas obtenu 1%. Oui, mais ça, c'est parce qu'il n'a pas été élu. Mais supposons qu'il le soit. Je ne vois pas comment il les deviendrait, je t'ai répondu. Est-ce qu'un Nyamulenge... Attendez. Vous gênerait qu'un Nyamulenge devienne président de la République dans ce pays mais aux prochaines élections, si notre constitution le permet, mais vous savez que notre constitution dit pour être président, il faut être congolais de père et de mère. Non, non, pas du tout. On n'a pas parlé de père et de mère, on a dit simplement congolais d'origine. Mais si la constitution. Alors, si la constitution dit congolais d'origine. Donc, sur cette question-là, la Constitution est fermée pour eux? Non, non, pas du tout, parce que la Constitution reconnaît à ces gens qui sont des Congolais d'origine. C'est là notre plus grande bêtise. L'article 10 est tellement clair que je me pose la question, qui l'ont rédigé en réalité? Bon, alors d'accord. Alors, si tu me donnes cet éclairage que moi, je n'avais pas, oui. Je ne le reconnais pas en modestie, donc alors, tu ne vas pas t'en prendre à moi? Non, pas à vous. Si un d'entre eux devient... Si, justement, c'est les dangers que vous dites, moi, que je soulève aussi. Bah, oui. Je me dis, pourquoi... Alors, pourquoi son... Et alors, pour la suite, oui. S'il devenait président de la République et que dans l'entretemps, cette question qui fâche est réglée et que le Congo est encadré et qu'il y a des services qui travaillent réellement pour le Congo, je ne pense pas que cet homme-là va travailler contre les intérêts du Congo. Qu'est-ce qu'on en sait? Oui, mais c'est ça le problème. Alors, le problème ici, c'est que nous-mêmes... Mais j'ai oublié de dire une chose. Nous poser une question. Poser une question à Honoré Nguanda. Qui sont les premiers acteurs de la balkanisation? Vous les connaissez? Très bonne question. Les premiers acteurs de la balkanisation s'appellent dirigeants congolais. Ils ont pillé le pays, ils ont déstabilisé le pays, ils ont détruit l'armée, ils ont détruit l'administration. La Zambie s'était-elle déjà permise de nous attaquer? Elle l'a fait dernièrement. Ici, à côté, l'Angola, l'Angola nous a-t-il pas déjà occupé une fois? L'Angola l'a déjà fait une fois. Ici, à côté, l'Angola nous pompe notre pétrole au littoral. Nous avons posé la question aux Nations Unies. L'Angola a opposé son veto. On sait-tu, puisqu'on a peur de l'Angola, c'est la puissance régionale. Quand tu es président au Congo, il faut entretenir de bonnes relations avec l'Angola. Il faut jamais se fâcher avec eux, même quand ils prennent, ils marchent sur nos intérêts. Nous, nous pompons notre pétrole ici. Nous sommes un État faible et cette faiblesse a été préparée à l'interne. Nous sommes les premiers agents de la balkanisation depuis Mobutu. On va terminer ces débats de la balkanisation, je veux dire de Minimboué. Mais terminons avec une question. Nous avons le Bazombo en Angola et au Congo. C'est depuis 60 ans, ils ne demandent jamais des territoires. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons vers l'Équateur un peu ce qu'on appelle le Makutimpoku, un marché où les Équatoriens vont acheter, je veux dire les Congolais vont acheter, les autres viennent. Il y a des peuples qui vivent là-bas, sur les côtes, il n'y a aucun problème. Pourquoi seulement avec le Rwanda qu'on a cette hégémonie locale qui vient? Pourquoi? Je vais relever cet élément. C'est l'élément déterminant. Je l'avais déjà relevé d'une autre manière, ici. L'erreur, la grande faute historique que nous avons commise, c'est d'avoir laissé les Banyamulenge vivre dans un ghetto à eux. Ou laisser les Banyarwanda devenir des Banyamulenge. Ouais, ben non, qu'importe. Mais les laisser vivre chez nous dans un ghetto à eux.
où un certain communautarisme s'est développé. Les Bazombo ont vécu avec nous, du loué chez nous, les Congolais. Ils habitaient Barumbu. Un peu partout. Moi, je dis, oui, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, parlant des Bazombo, il y en a combien au jour d'aujourd'hui qui sont Congolais? Nombreux. Je peux t'en citer. Moi, j'ai épousé une Zombo. Bon, alors, non, mais il y en a qui sont devenus Congolais. Ben, la mienne est Congolaise. On n'en fait pas un problème. Pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, ils sont dilués dans la population congolaise. C'est ce qui y a fait que ces Bazombo-là n'ont pas développé les côtés identitaires pour un jour nous dire non, ici chez nous. Ils ont vécu sur Isangi, à côté de chez moi, il y a une famille, chez mon père, à Barumbu. Nous, nous avons laissé le Banyamulenge s'installer quelque part, sur un territoire, pendant des décennies. Très bien. Et votre solution, c'est créons des institutions. Créons des projets, des institutions qui feront que dans les 5, dans les 10, dans les 15 années... Qui seront dilués ici. Qui seront dilués. Oui, qui seront dilués. Très bien. Alors, parlons maintenant... Et vous allez voir, je vais vous dire. Oui, on va terminer. J'ai mis mes compatriotes au défi. Si vous commencez à créer des institutions, des projets d'intégration, vous verrez que les Banyamulenge vont faire de la résistance. Mais justement, parce que... Alors, donc, ils comprendront que là, nous voulons faire d'eux réellement des Congolais. Mais ils ne pourront pas résister infiniment. Parce que c'est des institutions qui vont faire en sorte que d'autres Congolais se déplacent pour aller sur ces plateaux-là. Justement, parce qu'à un moment donné, ils auront des problèmes, ils vont dire que... Les Congolais s'y déplaceront, vous n'allez pas empêcher aux Congolais de se déplacer d'aller là-bas. Exactement. Et puis finalement, 5, 10 années, 20 années plus tard, ils vont vivre en harmonie. Et ce côté identitaire-là, c'est cela qui fait menace, c'est cela qui fait problème. Ce côté identitaire, nous, Niamulenge, on ne va pas leur enlever ça, parce que moi, on ne m'enlèvera pas d'être Moulouba. Mais il ne faudrait pas qu'ils restent là. Cette grégarité-là, qu'ils ont entretenu, qu'ils entretiennent dans le plateau de Minembwe. Il faut la leur enlever, voici, cette grégarité. Voici ce que Honoré Ngouanda a dit, on va terminer par là. Ah, il ne faut pas beaucoup me citer ce type-là. Comment ça, ce type hein? Ouais, ouais, c'est un pas... historien. Non, 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 non. Il non, écrit. Non. Je l'ai suivi dernièrement. Ouais. J'ai vu qu'il disait les missions pour lesquelles Félix était placé au pouvoir. Fallait le plaquer au sol. Les trois missions elles-mêmes n'avaient pas de cohérence. Elles se contredisaient. Il faut qu'il y ait une logique. Hein. Vous savez, les gens trouvent facile de parler. Je l'ai suivi. Reviens. Décrypte ce qu'il dit là. Les trois missions-là, elles-mêmes, elles se contredisent. Très bien. Elles ne sont pas claires en elles. Et moi, je suis l'homme pour voir ce qu'il a dedans. Et quand je trouve qu'il y a rien là-dedans, bah là, je zappe et je ne reviens plus sur cet homme. On ne parle pas de lui, on parle de Patrick Mbeko. Vous faites un tour de publicité. On parle de Patrick Mbeko, alors. Ce type, il est en exil, ça fait 23 ans. Nous battons ici. Je ne sais même pas. Okay. Nous battons ici. Nous avons pris des risques énormes ici. D'autres sont morts. Ben lui, il envoie des gens pour insulter. Il est là. Disons, il y a une dynamique qui insulte les gens pour. Ça fait 23 ans. Pour lui, hein. Moi, je ne regarde pas sa dynamique là. Ouais, d'accord. D'abord, quand tu regardes cette dynamique là, elle n'a pas d'idée à proposer au Congo. On va vous. Tu as déjà suivi ces gens-là proposer des idées au Congo. Ils vont vous insulter. Ils sont toujours en position. Moi, j'ai l'habitude de ces insultes basses là. Ils vont vous insulter. Qui ne font pas. Moi, j'en ai eu, j'en ai payé le frère ces derniers temps, mais. Moi, j'en ai c'est une brigade contre moi, vous. Moi, j'en ai rien à voir. Très bien. Tu les as déjà entendus développer des idées pour le Congo, pour la stabilité, pour le développement. Ils sont toujours en position de réaction. C'est des réactionnaires. Est-ce que les Tutsis sont des Congolais? Est-ce qu'il y a une ethnie Tutsi congolaise? Tutsi congolaise. Oui. Ethnie Tutsi congolaise, oui. Non. Mais les Tutsis sont congolais. Tous les Tutsis ou cas par cas? Bah, écoutez, moi, comment je vais me prononcer? Quel est le Tutsi qui a dit qu'il est congolais? Quel est le Tutsi qui a dit qu'il n'est pas congolais? Oui, parce qu'on dit que Rubio est Tutsi, on dit que Nyarugabo est Tutsi, on dit que celui de la DGM était Tutsi, DGDR, je ne sais plus. Tutsi et Tutsi Ngitani, des gens. Attendez, attendez, attendez. J'ai vécu au Rwanda pendant 2 ans. Ah, 2 ans? Ouais. Donc de 2003 à 2005. Vous en savez quelque chose? Ouais. Admettons que j'ai fait un enfant avec une femme Tutsi. Admettons, je ne l'ai pas fait. Et qu'il a un nez long, vous allez lui refuser la nationalité congolaise? Ben, vous le classez comment Tutsi? Non, 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 quand vous le regardez par son nez. Par son nez, vous dites qu'il est Tutsi? Ah ben alors, mon cher ami, arrêtons cette affaire. Mais on sait qu'il est congolais. Arrêtons, mon cher ami. D'ailleurs, ce qui est très grave, hein, c'est qu'en fait, ces Tutsis-là se ressemblent aux Tutsis ougandais. Ils ont les mêmes phénotypes que les Kenyans, que plus loin les Érythréens. Oui, surtout. Il faut arrêter ça. S'il vous plaît. Vous trouvez que c'est trop bas de juger la nationalité par la morphologie? Ce n'est pas que c'est trop bas. Oui. En fait, nous ne demandons rien quand nous venons sur la terre des hommes. Il ne faut pas qu'on juge les gens. Je suis né kassaïen, un autre est né avec un nez long. Mais il n'est pas forcément Tutsi. Nous avons confondu de compatriotes quand il y a eu la chasse aux Tutsis ici. Il y a donc compatriotes qui ont le faciès Tutsi. Très bien. Arrêtons cette affaire des faciès, je ne peux pas comprendre. C'est quoi la responsabilité de Félix Tshisekedi dans tout ça?
sa responsabilité. Oui. C'est au jour d'aujourd'hui d'avoir le courage et de porter cette ligne jusqu'au bout. Je crains fort. Il n'est pas traître? Il n'a pas trahi, comme on l'a dit? Si l'année 1, je suis le deuxième et je m'assume. J'ai des idées, je porte mes idées courageusement. On je ne suis pas le Congolais. Hein. Félix Tshisekedi a dit que les Niamoulengue étaient des Congolais sans consulter les entreprises. Arrêtez-nous cette histoire-là. Je ne sais pas quel gain il obtient quand il est dit. Je ne suis pas ici pour le défendre. Moi, je vais te dire, beaucoup d'entre nous, beaucoup dans la classe politique, pensent la même chose que Félix, pensent la même chose que Mokhebaï. Mais c'est simplement les risques électoralistes. Électoraliste. On a peur de nos compatriotes de l'Est. On ne veut pas leur dire la vérité. On dit, je vais perdre mon électorat. L'homme politique, c'est celui qui prend ses responsabilités vis-à-vis de l'histoire. Si Félix l'a fait, je lui dis bravo. Ça, c'est lui. Moi, mon Québec, je l'ai fait. Je m'assume. Beaucoup dans des salons, nous le pensons. Nous le disons tout bas. Personne ne veut prendre ce courage-là. Nous avons peur d'une position de nos compatriotes. Mais nous devons, en tant que leader, des informations à notre position, les dangers qui guettent la partie Est du Congo, dire la vérité à nos compatriotes. Très bien. Alors, en une minute, vous avez le temps de nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse politiquement. C'est vrai que vous avez parlé de l'intégration, je suis bien d'accord, mais maintenant, politiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut enlever, est-ce qu'il faut remplacer Azéras Rouberoua au niveau de la décentralisation? Est-ce qu'il faut supprimer carrément le ministère de la décentralisation et le remettre au ministère de l'Intérieur? Qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour résoudre ces problèmes-là? Ça ne se discute pas. Azéras Rouberoua est juge et parti. Il est porte-parole de Banyamulenge, en même temps ministre de décentralisation et en réalité ministre de Minimbui. Il faut le mettre à l'écart. Rien à faire. Si la coalition décide demain de remanier le gouvernement, ça doit être clair. Il faut demander à Kabila d'envoyer un autre ministre. Ça, c'est clair. En tout cas, pas au niveau de la décentralisation. Pour le reste, si vous voulez fusionner, confondre, que la décentralisation revienne à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Ce sera un choix. De toutes les façons, ils sont allés vers la réduction de la taille du gouvernement. Forcément, peut-être que... Quelle leçon vous donnez au président de la République? Qu'est-ce qu'il doit faire dans le futur? Subir la pression occidentale, la pression nationale? Non, moi, je ne lui donne pas de conseil. D'accord. Sinon, tout de suite, on va dire que je suis devenu son conseiller, que je suis appointé à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Je crois qu'il est entouré par des conseillers. Et j'en connais quelques-uns qui sont des amis avec qui nous avons cheminé, David Moukeba. C'est des garçons brillants. Je crois qu'ils sont là pour conseiller le président. J'en connais quelques-uns. Et vous, quelle est votre lumière sur la question? Oui. Mais qu'est-ce qu'un chef d'État devrait faire en ce moment? Mais il a déjà donné le go. Il a donné le go. Il a eu le courage de le dire tout haut. Il n'a plus le choix. Très bien. La Mouka, on va terminer. Il nous reste 3 minutes, malheureusement. On en parlera très rapidement. La question de la Mouka. Mike Moukebaï, parce que vous connaissez comment ça se passe, cette question de la Mouka. Déjà, vous partez de 3 mois à 6 mois. Est-ce que Katumbi est au courant? Est-ce que Bemba est au courant? Pourquoi les deux n'étaient pas présents? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je voudrais rapidement, puisque je parlais de Félix Tshisekedi, l'interpeller un peu, c'est sûr, rapidement sur la santé de Vital Kamerhe. D'accord. Sa santé se dégrade chaque jour. Ça, j'ai eu des informations. Des proches avec qui j'ai gardé de contact. On dit qu'il est chez lui à la maison, qu'il est un homme libre, une photo à circuler. Il n'est pas chez lui à la maison, il est au centre Ngada et sa santé se dégrade chaque jour. Donc je considère à mon point de vue qu'il s'agit au jour d'aujourd'hui d'un cas humanitaire et que Félix doit s'interroger si il a gagné à ce qu'un jour on apprenne que Vital Kamerhe est mort sur son lit d'hôpital. Connaissez-vous combien de prisonniers meurent tous les jours? Vous avez fait la prison, vous avez vu comment j'ai lu plusieurs de vos tweets en train de déplorer les conditions de vie là-bas. Quand ceux-là sont morts, oui. J'ai élevé la voix, comme oui. Je l'ai fait au jour d'aujourd'hui. J'ai élevé la voix, j'ai dit que c'était injuste. J'ai demandé qu'ils soient soignés correctement et même évacués, autant que je l'ai dit aujourd'hui. C'est un cas humanitaire, si ça demande l'évacuation, c'est qu'il faut prendre des garanties pour que cette évacuation se produisent. Il est 16 sur 24 heures sous respiration artificielle. Je comprends, je partage la position des compatriotes qui ont été fermes, qui ont dit qu'il fallait donner l'exemple. L'exemple a été donné, mais là, un homme se meurt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si ça demande l'évacuation, moi je m'assume, je dis qu'il faut le faire. Plutôt qu'un jour de dire qu'il est mort et que Félix emporte moralement, dans une certaine mesure, c'est à lui de décider.
la responsabilité. Mais pourquoi il porterait la responsabilité? Parce que c'est vraiment, c'est pas Félix qui l'a. Je me dis, c'est pas lui. J'ai dit, c'est qu'est-ce que tu comprends? Oui, je suis vraiment d'accord. Vous rentrez dans la logique des gens. Dans la logique. Oui. Ce que les gens diront demain. Ok. J'ai dit, il est temps au jour d'aujourd'hui que cette question soit prise en charge. Ça veut dire que si je comprends bien, vous refusez à Félix Tshisekedi de subir ce que Kabila a subi avec le cas d'un pasteur, que je donne le nom et m'a échappé, le pasteur. C'est aussi, aussi clair que ça. Oui, oui. Si on, nous allons connaître. Ce pasteur-là, nous allons connaître. Poutine ou Fernando, voilà. Oui, nous allons connaître une mort. D'accord. Ça, c'est ta crainte. Vous nous rassurez que Vital Kamerhe n'est pas chez lui, mais il plutôt. Il n'est pas chez lui. À l'hôpital. Il n'est pas chez lui, il est au centre de la. Il souffre de quoi exactement? Des questions liées à la respiration. À la respiration. Oui, oui. Très bien. C'est vraiment des questions graves. C'est pour ça son évacuation. Est-ce que ça touche sa. Si ça demande, moi, je ne peux pas les décider ici. Son médecin soignant est là. Mais si le diagnostic du médecin soignant établit que cela demande une évacuation, c'est là que j'ai dit à Félix, il faudra faire la concession de cette évacuation. Très bien. OK? Parlons maintenant de la Mouka. Bon, Vous étiez absent, j'étais absent, naturellement. Pourquoi, d'ailleurs? Je l'ai dit que je ne mettrais plus le pied à Faden House, ni moins à Elaïs. Donc, je ne pouvais pas y aller, ça c'est clair. Et je sais qu'elle non plus ne pouvait pas m'inviter. Je l'avais déjà dit que je restais la Mouka, puisque la Mouka est un état d'esprit, est un combat que nous menons. Et la Mouka, ce n'est pas un bien à quelqu'un, à un particulier. Mais pourquoi de 3 à 6 mois? Je te l'ai dit, je reviens sur ce que j'ai dit. La Mouka est à la croisée des chemins. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit chez toi. Oui, on l'a dit ici. La Mouka est à la croisée des chemins. La Mouka se trouve à une intersection. Vous arrivez, vous avez deux voies. L'une voie, c'est la restructuration. L'autre voie, c'est la mort douce, lente, mais certaine. La Mouka doit se restructurer. Si la Mouka ne se restructure pas, la Mouka mourra sans que quelqu'un ne prenne le courage de signer son certificat de décès. Parce que personne ne voudra porter la responsabilité du décès de la Mouka. Mais ça va être un mouvement presque dans l'inertie. Pourquoi la Mouka doit se restructurer? La Mouka doit se restructurer parce que cela fait peur de 2 ans au jour d'aujourd'hui que la Mouka a créé et qu'il s'est passé beaucoup de choses dans l'entretemps. Il faut définir de nouveaux objectifs. Il faut s'interroger sur notre relation avec Félix. Est-il un adversaire? Est-il un ennemi? Est-il un allié parallèle comme moi je l'ai toujours imaginé? Il faut que ça soit dit entre nous. Parce que soit dit la vérité, c'est que chacun d'entre nous a une approche à lui vis-à-vis de Félix. Les gens ne le disent pas. Arrêtons de nous mentir. Chacun d'entre nous, quand je dis une approche, ce n'est pas approche dans le sens d'aller vers Félix, mais dans le sens de la compréhension de ma position avec Félix. Il faut se mettre d'accord autour de ces questions-là. Ça doit être très clair. Il faut se mettre d'accord. Et aussi, surtout, vis-à-vis de Kabila. Kabila a posé certains actes qui nous poussent à croire aujourd'hui qu'en fait, l'idée de retour aux affaires, ne l'a pas encore quitté. Qu'en fait, les FCC cherchent à tuer la démocratie. Les FCC restent la menace permanente contre la démocratie. Nous devons nous déterminer clairement quelle est notre attitude vis-à-vis des Kabila. Toutes ces questions-là doivent trouver des réponses. Si elles ne trouvent pas des réponses, c'est de l'hypocrisie. Je suis désolé. Et c'est là la mort lente, douce, mais certaine. C'est qu'en réalité, nous restons là, mais nous n'agissons plus ensemble. Alors, de 3 à 6 mois, pourquoi? Mais je vous dis, les 3 à 6 mois, ouais. Mais ça va participer à cette léthargie. Comprenez? Les 3 mois, c'était déjà pas facile. Parce que chaque leader qui prend les rênes a l'obligation d'entreprendre des actions. Et vous savez qu'en politique, des actions, vous ne les créez pas tout le temps. Il arrive un moment où l'actualité est plate, il n'y a rien à faire. Vous tournez en rond. Et en 6 mois, qu'est-ce que vous ferez? La routine. Je crains fort, excusez-moi d'être critique, je crains fort que le 6 mois nous conduise à cette léthargie-là, à cette inertie-là. Je crains fort. Mais pourquoi ça commence qu'avec Fayulu? Vous dites? Pourquoi ça n'a pas commencé avec... J'ai pas d'explication, j'ai pas participé à tout ce que je, est-ce que Jean-Pierre Bemba et Katumbi ont accepté les 6 mois? J'ai vu qu'ils ont été représentés. En tout cas, j'ai appris. Ils ont été représentés. Donc ça signifie qu'ils ont donné leur caution. Mais pourquoi ils n'étaient pas là? Pourquoi Bemba? Ah ça, il faut leur poser la question. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont toujours ensemble ou c'est fini cette histoire? Mais je vous ai dit que je crains fort que nous allions vers une mort douce,
lente et certaine, mais sans que quiconque d'entre nous ne prenne le courage de signer le certificat de décès, de craindre que l'opinion dise que c'est lui qui a tué Lamouka. Fayulu a deux messages aujourd'hui. Okay. La balkanisation, la légitimité, peut-être un troisième, la vérité des urnes qui finalement, je ne sais pas s'il a oublié ou il a laissé tomber, mais c'est vraiment ces trois choses. Et il a déclaré que Félix Tshisekedi n'amènera le Congo nulle part, c'est dans la distraction, et que pour la solution à tout, c'est la légitimation de son pouvoir, de son pouvoir à lui, Martin Fayulu. Oui, c'est une revendication légitime de sa part, mais il s'est fait qu'entre nous tous, nous sommes mis d'accord, et un jour, c'est lui qui a été à l'initiative du plan de sortie de crise. Le plan de sortie de crise suppose quoi? Induit quoi? Induit que nous nous mettions autour d'une table et que nous parlions. Mais il y a chez lui cette contradiction permanente en lui-même, comme s'il n'avait pas de dialectique en réalité politique. C'est de faire un pas et de revenir. C'est nous dire un jour, plan de sortie de crise, et un autre matin, de suggérer sans vraiment dire une certaine destitution. Et qu'il est lui-même, d'ailleurs, par la suite, désavoué par... c'est lui qui a été à ses côtés quand il a fait cette déclaration, Théodore. Oui, il y a un problème là, hein, de cheminement. Hein, il y a pas de traçabilité claire. Il y a un rapport de force en politique. Et quand vous menez un combat, vous en tenez compte. Nous sommes arrivés à un point où nous avons dit que dans l'intérêt du Congo, nous allons vers des discussions pour avoir des élections transparentes. Nous allons perdre du temps à mener tel et tel combat. 2023 va nous surprendre sans avoir l'assurance d'une élection, des élections transparentes. Nous allons encore pleurer. Martin Fayulu dit, pour terminer, c'est la question, il dit que les Banyamulenge ne sont pas de Congolais et que Félix Tshisekedi, encore une fois, a menti. De deux, il dit aussi que s'il y a recrudescence de la sécurité à l'est du pays, c'est parce qu'il n'y a pas de légitimité. Si lui, il était légitime, cette histoire allait s'arrêter et tout ça. On termine avec. Il ne faudrait pas prendre les contre-pieds à tous les coups puisque Moukeba est opposant. Donc je dois prendre les contre-pieds à tous les coups. Il y a des questions qui demandent la réflexion. Je vais te surprendre, moi. J'ai discuté avec Martin Fayulu pendant 2 heures. Parce que la position que je prends aujourd'hui sur le Banyamulenge, elle ne tient pas, elle ne vient pas de Félix. Je l'avais déjà prise il y a quelques mois chez une journaliste, Tatiana Osango. Ça m'a valu une volée de bois vert, des attaques de toutes parts. J'en ai l'habitude, j'assume. C'est ma conviction. Je suis démocrate, quand je pense une chose, je l'ai dit et je le porte. Je l'avais déjà dit, il y a quelques mois, chez Tatiana Osango. Et quand je l'ai dit, il y a une dame, compatriote de la diaspora, qui appelle le président Fayulu pour se plaindre avec moi. Et nous avons une discussion pendant 2 heures. La grande question que j'ai posée au président Fayulu, que je lui repose aujourd'hui, quelle est sa solution? Il n'a pas. Il est dans des attitudes fantasmagoriques. On ne prendra pas un centimètre carré. Ça, ce sont des slogans. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour qu'on ne prenne pas justement ces centimètres? Non, pour régler la question, ouais. Minembwe, qu'est-ce qu'il propose? Il a donné une conférence de presse dernièrement. Qu'est-ce qu'il a proposé aux Congolais? C'est irresponsable. Il a dit l'éveil de la conscience. L'éveil de conscience, ça signifie quoi? Que le Congolais, c'est pas l'enchant. 10 ans encore, le Minembwe et les Banyamulenge seront là. Qu'est-ce qu'il propose? Rien. C'est très irresponsable, ça. Pensez-vous que Martin Fayulu est irresponsable sur la question? Lui, il n'est pas. Mais sa position l'est. Ses propos le sont. Il a réuni une conférence de presse sur une question grave qui touche la stabilité de la République et il n'a pas de proposition. Il n'a que des slogans. Ça, ce n'est pas intelligent. Vous êtes élu de Kinshasa. Comment se porte la ville de Kinshasa? Elle se porte très mal. Pourtant, il est un gouverneur. L'Assemblée provinciale de Kinshasa est asphyxiée complètement au jour d'aujourd'hui. Rentrée parlementaire depuis le 30 septembre. Au jour d'aujourd'hui, même la conférence des présidents n'arrive pas à se réunir. Faute de moyens. Le coronavirus est passé par là et a tout emporté selon Jean-Tiné Ngobila. De qui les moyens de revenir? On n'est même pas payé depuis 3 mois. Je ne suis pas venu pour me plaindre des Congolais qui ne sont pas payés depuis 20 mois. Depuis 40 mois, c'est très grave. La ville est très mal gérée. Vous avez, la Kinshasa, vous savez, vit essentiellement des taxes et des impôts. Allez-y demander à Jean-Tiné Ngobila quel est le taux de recouvrement des différentes taxes et des différents impôts. L'année passée, 2019, taux de recouvrement vignette, moins de 10%. Donc ça signifie sur quelques 450 000 véhicules ou 480 000 véhicules en circulation à Kinshasa, c'est moins de 45 000 véhicules qui ont payé le taux, qui ont payé la vignette.
Et la vignette est collectée par qui? Pas par la DJRK. Pourtant, la loi dit que c'est la DJRK seule qui a la compétence, seule compétence exclusive de collecter taxes et impôts. La vignette l'année passée a été collectée par une société appelée Autogiste. Il y a une société ici appelée Hologramme qui collecte d'autres taxes et d'autres impôts. À quel titre? En quelle qualité? Hologramme. Elle est installée à côté de l'hôtel Okapi. La législation congolaise fait obligation à toute entreprise de mettre une enseigne qui renseigne sur son identité, son nom. Là-bas, chez Hologramme, rien n'est écrit. C'est anonyme. J'en parle depuis 2 mois. J'ai mes poumons. Ça ne change rien. La société, elle est là. Ça ne met personne. Surtout pas la justice qui devait partir de mes dénonciations pour entreprendre des enquêtes. Rien, ça ne met personne. C'est des dizaines de millions de dollars comme ça qui sont mal gérés. Taux de recouvrement, impôts, nos deux impôts les plus importants qui doivent faire la richesse de la ville au jour d'aujourd'hui, en attendant de créer un jour, parce que nous avons des idées là-dessus, d'autres sources de revenus que des taxes et impôts seulement. Impôts sur le revenu locatif, impôts fonciers. Impôts fonciers du temps de Kimbuta, ils décident un matin, forfait. À Gombe, par exemple, on dit 400 dollars par parcelle. Mais vous tuez l'impôt foncier. L'impôt foncier est calculé au mètre carré de chaque parcelle, à la valeur de la maison. Décréter un forfait de 400 dollars, quel manque à gagner nous causons à la ville. Jean-Tenu Gobel arrive, il maintient ce forfait-là. Impôt sur le revenu locatif. Qui paye? Quel est le bailleur qui paye à l'État? Ce qui revient à l'État en ce qui concerne les loyers. Qui paye? La DJRK, les agents mal payés, sous-payés, impayés, capacité de recouvrement très faible. La ville n'a pas d'argent. Les gestionnaires de la ville, les autorités de la ville, se contentent du peu qu'ils encaissent et ils mettent ça dans leur poche. Du peu. Du moment que eux, ça fait l'affaire de leur poche, le reste ne les préoccupe pas. Mais pourquoi vous on vous dit que Kinshasa n'a pas d'argent. On vous dit, on se plaint. Kimbuta, à son départ, avant de quitter la ville, la dernière villa qu'il a achetée, c'est boulevard Tchatch, Gombe. 4,3 millions de dollars. 4,3 millions de dollars, s'il te plaît. Qu'il a décidé, comme ça, d'immobiliser dans les pavements, dans le mur, dans le toit, dans le plafond. Donc, combien il en a mis de côté s'il peut mettre 4 millions de dollars sur une résidence? C'est ça la situation. Oui, mais en tant que député, qu'assemblée provinciale. Oui, je vais répondre. Oui. Nous manquons de l'argent même pour entreprendre des missions d'enquête parlementaire. Nous manquons d'argent. Oui, là aussi, vous plaignez. Comme très, très grave. Oui, mais alors, que faites-vous en tant qu'assemblée provinciale? Ce que j'ai fait, j'ai dit ceci. C'est ce que j'ai fait ici. Je l'ai dit à l'opinion pour mettre Jean-Tenu devant sa responsabilité. Mais pourtant, vous avez la possibilité de l'inviter. Et en même temps, j'interpelle la majorité à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'ai dit à la majorité celle-ci. La majorité n'est pas là, même si le gouverneur est de la majorité. La majorité n'est pas là pour accompagner le gouverneur. Parce que nous tous, et vous la majorité, et moi député de l'opposition, nous aurons à répondre en 2023. Nous voulons voir vous, Mike Mokebaï, porter d'abord la responsabilité faire une motion. Faites une motion, interpellez-les, comme ça on verra si la majorité va bloquer ou pas. Je vais vous dire, la session est ouverte, oui. Nous attendons. Okay. J'ai un certain nombre d'actions que j'ai déjà envisagées. Que je vais devoir entreprendre. On attendra et je vous accompagnerai. Oui, je voudrais voir Mike Mokebaï inviter le gouverneur, inviter le ministre. Pas forcément lui, le ministre, les mandataires. Oui. Vous verrez, je ferai ce travail. C'est de ça dont on a. Il faut bien qu'on sache quelle est la hauteur de ce recouvrement pour que demain nous déterminions de nouvelles destinations et augmenter les recettes dans cette ville. Sinon, nous sommes partis pour la gloire. Je vous dis. Merci, Mike Mokebaï. On a passé plus d'une heure à discuter sur des questions combien importantes, mais je sais que ça ne fera pas l'unanimité et je ne m'attends pas non plus à ça. Pourtant, je m'attends à une ouverture de débat. Je me rappelle, Mike Mokebaï, j'ai reçu sur ce plateau un monsieur qu'on a considéré des Tutsis et qui a fait ses déclarations et tout, mais vous n'avez aucune idée, c'est ceux qui vivent en Europe qui m'ont appelé pour m'insulter. Mmh. Alors, j'ai posé la question à ces gens-là. Vous qui vivez dans des sociétés démocratiques, dans des sociétés développées, comment pouvez-vous avoir des idées aussi rétrogrades Le problème, c'est cette contradiction qui ne se matérialise, qui ne s'exprime que par les insultes. C'est ça le grand problème. Bah, c'est compliqué. Moi, je voudrais plutôt qu'il y ait un débat démocratique, contradictoire, argument contre argument. Moi, je ne m'en plains pas.
Peut-être toi, tu t'en plains. Non, pas du tout. Hein. Moi, les insultes. Je suis vacciné. Je suis vacciné déjà. Mais la critique objective, oui, elle est importante. Je fais attention, si, je la lis. Si, si, et si, peut-être, si, je la prends même en compte pour, oui, m'améliorer. Exactement. Mesdames et messieurs, le débat est donc ouvert. Acceptons des critiques, acceptons l'ouverture, acceptons d'écouter l'autre. C'est toujours important. Évitons des débats des caniveaux sur la morphologie, sur les idées, sur les préjugés. Allons droit dans le vide. Parce que quand on fait des faux débats, c'est vrai, on s'écarte, on laisse les vrais débats ailleurs et on le fait pour nous. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve avec le même plaisir prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément dans la carte de Washington. Malobi maman Marthe né. Maman Marthe né. Malobi shop Africa Union. Mais toi t'es un nyonso. Bilo ko yai. Ya wana ni yo kongole. Oni dinde ko la yo. A sali sa yo te. Bona koria na yo. Moko ma bonne la yo. Bona mzoto na yo. Moko ya elei. Moko ma bonne la yo. Malobi bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à quoi la machine sinon vous voyez pas y'a sinon vous voyez rien mais quoi la non t'es qu'à alors t'es qu'à bloco y'a mboka y'a fraise y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pula mon kanja isali barobi n'jombo y'a rien et n'kouba paniwa barobi n'jente isali y'a komba kanga y'a chwe mboto y'a mbise la barobi n'ya pa y'a mboto y'a mboko mboto y'a gane kala n'gando n'en a rien à base. Loye Bolonde Nelali Sangha.